ذي كربلاء وكعبة الملايين، يستقبل الحسين زوارها، تقصدها القلوب في الأربعين من كل طه من زارها. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى اللهم على محمد وآله الطاهرين. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Aujourd'hui, nous sommes là pour parler de Ashura et la commémoration de ce jour. Ashura, qu'est-ce qui veut dire Ashura? Ashura, c'est le 10 du mois linéaire Muharram. Donc, le calendrier musulman, avec cette date-là, on va voir que c'est pas le début du mois, plutôt c'est le 10e du mois, de ce mois qu'on appelle Muharram. Et qu'est-ce qui s'est passé? Si nous revenons sur l'historique, nous allons voir que ce jour-là, il y a certains des musulmans qui disent que c'est un jour où on doit se réjouir, on doit fêter, parce que c'est le jour où le prophète Moïse a été sauvé, le jour où tel a été sauvé, des choses comme ça qu'il raconte. Donc ce jour-là, on doit se réjouir, on doit manger, on doit porter des vêtements, on doit se laver de l'eau du Ma'u Zamzam, c'est-à-dire l'eau Zamzam, et ainsi de suite. Mais selon les partisans des Ahlul Bayt alayhim salam, précisément les chiites et tous ceux qui aiment la famille du prophète, ils voient ce jour-là un jour de deuil. Le jour, un jour qui représente vraiment pour la famille, pour le prophète et sa sainte famille, un jour, on peut dire un jour de deuil, un jour de tristesse, parce que c'est le jour où le petit-fils du prophète, Imam al-Hussein alayhi salam, et ses compagnons, on dit 72 de ses compagnons ou 73, ont été assassinés dans les mains de Yazid et sa troupe. Donc ce jour-là, c'est un jour de deuil, pas un jour de réjouissement. Le musulman, ce jour-là, ne doit pas se réjouir. Plutôt, c'est un jour où il doit commémorer pour se rappeler de ce qui s'est passé sur la famille du prophète. Cette famille qui représente ici l'imam Hussein alayhi salam, qui est l'un des imams que le prophète alayhi salatu wassalam a laissé après lui, il dit après moi, c'est Ali ibn Abi Talib, après lui c'est Al-Hassan, après lui c'est Al-Hussein, jusqu'au dernier imam qui est l'imam du temps, l'imam al-Mahdi alayhi salam. Donc cet imam-là, le jour d'Ashura, cet imam-là fut assassiné dans les mains de Yazid et sa troupe. Donc, on doit se demander qui ont assassiné le fils du prophète, l'imam al-Hussein. Ce sont-ils des musulmans ou bien c'est des non-musulmans? Si c'est des musulmans, pourquoi ils l'ont assassiné? Pourtant, ils savent que c'est le petit-fils du prophète. Est-ce que l'imam Hussein a commis une erreur, un péché qui mérite d'être assassiné, et puis d'une manière aussi plus violente que même les animaux, avant de les égorger, on les donne de l'eau à boire? Mais le petit-fils du prophète, Imam Hussein alayhi salam, dans le désert de Nainawa, a fait assassiner sans même avoir un coup, un petit coup, goutte d'eau.
Et pourtant, ceux-là qui étaient là, ils le connaissaient, ils connaissaient sa famille, ils connaissaient son père, ils connaissaient sa maman, Fatima Zahra, alayhi salam. D'autres même, Imam Hussein, les demandaient, vous connaissez qui est moi, qui je suis. Ils disent, oui, nous connaissons qui tu es. Il dit, pourquoi vous m'assassinez? Pourquoi vous me suiviez pour m'assassiner? Ils disent, Bourda Minna Ali Abik, c'est parce qu'on est ton père, on n'aime pas ton papa, Ali ibn Abi Talib. Donc, qu'est-ce que Ali les a fait jusqu'à ce que le péché là retourne sur son fils, Imam Hussein alayhi salam? Donc, chers frères et sœurs, nous tous, on doit méditer cela et on doit chercher l'histoire pour voir pourquoi cette bande de malfrats, ont osé vraiment d'assassiner la famille du prophète. Donc il y a quoi? Qu'est-ce qui s'est passé au fait? Qu'est-ce qui est passé au juste? Pourquoi Imam Hussein s'est rebellé contre eux? Il s'est soulevé contre eux. Parce que Imam Hussein il fait partie des imams infaillibles. Ça, dans notre vision, nous, on peut dire que tout ce que Imam Hussein a fait, il a fait en connaissance de cause. C'est parce que non seulement il est le petit-fils du prophète, mais aussi il est l'imam du temps. En ce temps, il était l'imam du temps. Donc, et ces gens-là, ils savaient aussi que c'était lui l'imam, c'était lui le petit-fils du prophète. Mais ils ont osé l'assassiner à cause de la fortune, à cause de ce bas monde, à cause du pouvoir. Parce que l'imam s'est levé, il s'est soulevé pour dire une personne comme Yazid ne doit pas diriger le monde musulman. Donc, la suite de cette allocution, Inch'Allah, dans le deuxième vidéo, on va voir, Inch'Allah. Donc, je m'arrête là. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.